Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous parle encore de cartes mères et de cartes mères haut de gamme avec la TRX Creator par MSI. Une carte mère qui va tout simplement pouvoir accueillir les nouveaux Threadripper d'AMD, à savoir le 3960X et le 3970X, en attendant le prochain 3990X au mois de janvier. Une carte mère résolument haut de gamme, 250 Go, 256 Go, de RAM maximum, 4 slots PCI Express en 16X, 8X, 16X, 8X, du M2 à ne savoir qu'en faire, une petite carte additionnelle pour mettre 4 M2 et blindé du giga par seconde, un design qui est relativement sobre avec assez peu de RGB et pas moins de 16 phases d'alimentation. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant sur Cocotte TV. On commence avec le packaging. Boîte blanche, on est sur la Creator TRX 40, donc plutôt une carte mère pour les Creators, ça risque d'être plutôt sobre et plutôt joli à l'intérieur, et tout ça c'est pour les tout nouveaux AMD Ryzen Threadripper. Et vous savez quoi? Le bundle de cette carte mère, on a envie de vous le faire découvrir à la façon YouTube. Mais qu'est-ce que c'est? Une carte graphique? Mais non, ce n'est pas une carte graphique. C'est un M2 Xpander Aero. Donc, en fait, c'est une carte additionnelle en PCI Express 16X qui peut se brancher sur du 4.0 puisqu'on est sur de la plateforme AMD. Il y a un gros ventilateur, un gros dissipateur et vous le voyez ici, on a 4 ports M2. Les 4 ports M2 vont tout simplement pouvoir permettre d'associer 4 SSD M2 qui turbine à 5000 ms chacun, les mettre en RAID 0 pour flirter avec les 17, 18, 19 gigas par seconde. Tout simplement un truc de ouf. Mais ce n'est pas tout car nous avons d'autres petites poches secrètes. Par exemple cette dernière qui contient tout simplement l'antenne Wi-Fi avec les deux borniers qui seront à relier à l'arrière de la carte mère. Enfin nous avons aussi cette petite poche. Et dans cette petite poche, on a plein de petits sachets. C'est merveilleux. Dans ces petits sachets, on va trouver plein de choses différentes, comme par exemple une petite clé USB, des petits sensors pour relever les températures, du petit câble RGB, du petit câble SATA, des petites vis pour le M2. On va également trouver du câble SATA. Et enfin, d'autres câbles pour pouvoir gérer le RGB. Nous voilà donc devant cette carte mère TRX Creator par MSI. Et on va faire un truc qu'on adore faire. C'est tellement bien. Attention, encore un. Et voilà, on les a tous retirés. C'est magnifique. On se lance dans les détails de cette énorme TRX Creator par MSI. On peut même vous faire coucou par la petite plaque ici. Alors, clairement, la carte mère, elle est juste démentielle. Tellement elle est grosse, tellement elle est énorme. Il faudra un boîtier EATX pour pouvoir la contenir. En même temps, c'est logique. On a cette énorme socket pour les nouveaux Threadripper 3000, alors pour le moment, on a du 24 corps 48 threads disponible avec le 3960X et du 48 corps 96 threads avec, excusez-moi, je me suis trompé encore une fois, j'arrive pas du tout à retenir le nombre de corps qu'on a, 24, 48 ou 32, 64 corps en attendant le 3990X qui sera stratosphérique. La carte mère. Colossal, comme on le disait. Déjà, au niveau du style, c'est hyper beau, c'est hyper bien léché, c'est plutôt sobre, même si on a encore ce ventilateur. On a cette énorme socket pour le processeur, hein, qui marche un petit peu comme une cassette. On ouvre, on glisse le processeur, on referme. Vous le voyez, au niveau du refroidissement, au niveau des attaches d'alimentation, on a de la vraie ailette, du caloduc qui court sur absolument toute la carte mère. Ça, c'est juste très joli, aluminium, un petit peu de matière
argenté et miroir. On aura aussi un peu de RGB, mais pas trop, puisqu'on est sur la gamme Creator. Au niveau des phases d'alimentation, juste pour le processeur, alors hop, on va s'y mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Avec 16, on devrait être tranquille. Ensuite, pour alimenter tout ça, on a deux connecteurs en 8 pins CPU. Un petit peu plus loin, le 24 broches ATX. Bien sûr, on a tout ça au niveau de la mémoire. On va y revenir un petit peu plus en détail un petit peu plus tard avec la notice pour être sûr de bien vous donner tous les bons mégahertz de la mémoire. Enfin, on a quand même 8 banques. Ensuite, on a 4 PCI Express 16X en 4.0. Du M2 ici, du M2 là, bien sûr le tout en PCI Express 4.0, l'audio boost là avec un circuit audio qui est séparé du reste de la carte mère, et ici tous les petits connecteurs additionnels pour le power on, le reset, le postcode, les USB et toutes ces choses là. On vous parle donc un petit peu plus de la mémoire, à savoir de ces 8 banques qui sont autour du socket TRX 4. Sachez que on pourra mettre 256 Go de mémoire maximum en 3200 MHz pour la vitesse officielle supportée par ces barrettes mémoire, enfin par les banques mémoire, et on pourra aller jusqu'à 4666 MHz. Mais après, ça va dépendre de combien de barrettes on utilise. Mais sachez qu'en OC, on pourra aller en gros de 3466 à 4666 MHz. Rien que ça, ce qui devrait être amplement suffisant. On en profite pour descendre un petit peu plus bas et vous donner le câblage des PCI Express 4.0. Sachez qu'on a donc 4 slots en 4.0, en 16X renforcé, tout comme les ports des barrettes mémoire. Et on sera sur un câblage en 16X, 8X, 16X, 8X avec le support du Freeway SLI par Nvidia et du Freeway Crossfire AMD, même si cela n'est plus trop utilisé. On vous parle maintenant des M2. Alors les M2, on pense en avoir deux, mais en fait on en a trois. Un ici, deux ici. Il faut savoir qu'ils sont tous en PCI Express 4.0 et tous en 4X. On passe maintenant au panneau arrière avec ici le clear CMOS, ici le flash button, ici le Wi-Fi en AX, donc en Wi-Fi 6. Ensuite on va avoir de l'USB en 10G, de l'USB 3.0 un peu plus classique, de l'Ethernet 1000, de nouveau des USB, ici un USB type C en 20G, au-dessus un USB classique en 10G et au-dessus de l'Ethernet 1000 en 10G, rien que ça. Ensuite, au niveau de la partie audio, bien sûr, on est sur du 7.1 avec la prise en charge des sorties digitales avec par exemple ici de l'optique. Au niveau de l'arrière de la carte mère, on a le renfort ici autour du socket TRX 4. Un renfort ici pour pouvoir maintenir plus facilement le dissipateur qui est au-dessus des VRM. Par contre, pas de plaque de protection. On termine comme toujours en se faisant plaisir avec des plans qui vont doucement et qui vous montrent tous les détails des cartes mères.